Wesh les potos, c'est Sois Cool au Mike et petite information en description de cette vidéo, il y aura un lien pour vous faire gagner un AverMedia, donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort. Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos des informations et des news. Alors dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter les news du multi et après je vous présenterai le meilleur pour la fin, le zombie. Donc restez jusqu'à la fin, vous allez pas être déçus les potes. Alors pour les fans du multijoueur, cette information va vous hyper de ouf les mecs. Tout simplement parce que pour la première fois dans la licence de Call of Duty, les maps multijoueurs, donc les DLC, seront entièrement gratuits. Donc vous achetez le jeu 70€ et après vous n'avez plus de DLC à acheter pour les maps multijoueurs. Cette information n'est pas encore officialisée par Treyarch, mais je peux vous assurer à 300% qu'ils vont l'annoncer très bientôt. Et pourquoi j'en suis si sûr? Parce que Battlefield, son premier concurrent de jeu de guerre, a révélé lors de son event qu'il n'y aurait pas de premium dans Battlefield. Ce qui veut dire que toutes les nouveaux DLC de Battlefield seront entièrement gratuits. Donc pourquoi Call of Duty passerait à côté d'une opportunité pareille? Parce qu'en plus de ça, il n'y a pas que Battlefield qui le fait. GTA le fait aussi, aucun DLC payant. Rainbow Six Siege, aucun DLC payant les mecs. Donc c'est sûr et certain, Black Ops 4 multijoueurs auront leur DLC gratuitement. Seconde chose qui sera sûr et certain à 100%, c'est tout simplement que Nocturne sur Black Ops 4 va faire sa réapparition. Ce sera un remake, bien sûr ce sera sûrement remasterisé HD, mais il y aura sûrement de nouvelles choses dans ce nouveau Nocturne. Alors pourquoi je suis sûr que ça va arriver? Ben parce que tout simplement, sur Twitter, il y a une personne qui a demandé à une autre personne, je ne saurais pas vous dire les sources, mais en tous les cas, cette personne a dit qu'il y avait Nocturne sur Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, et que bientôt, il y aurait Nocturne sur Black Ops 4. C'est sûr et certain, les potos, cette map, c'est une map qui voyage à travers tous les Black Ops, et c'est impossible qu'elle ne soit pas sur Black Ops 4, tout simplement. Et pour les fans du mode studio, il n'y a rien d'officiel, mais vous pouvez vous attendre à un mode studio sur Black Ops 4, tout simplement parce qu'il y est déjà sur Black Ops 3, alors pourquoi pas sur Black Ops 4? Surtout que Black Ops 4 réunit toutes les meilleures idées de tous les Black Ops confondus, donc le mode studio fera son apparition, vous pouvez en être sûr. Alors c'est fini pour les informations sur le multijoueur, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant on va passer à du lourd les potos. Du lourd pourquoi? Parce que moi je suis un joueur zombie avant tous les frères. Alors la première info très importante sur le zombie, c'est qu'il n'y aura pas une map de zombie, deux maps de zombie, ni trois maps de zombie. Il y aura 4 maps de zombies dès la sortie du jeu les potos, c'est du jamais vu. C'est vraiment insane. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est quoi la quatrième map zombie? Ah ah! Eh bien tout simplement c'est un remake de Nocturne les potos. Un remake de Nocturne en zombie. Donc il y aura une petite map de zombie comme ça. Et on va pouvoir niquer du zombie sur la map de Nocturne. Donc ce sera une remake. Donc ce sera un remasterisé HD mais modifié à l'image de Black Ops 4 et pour le zombie. Donc ça va être insane. Alors, ce qu'il faut savoir à propos de cette quatrième map, c'est qu'elle sera uniquement pour les joueurs qui auront les éditions spéciales de Black Ops 4. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi les éditions spéciales de Black Ops 4? Alors, à mon avis, les éditions de Black Ops 4 seront toutes dévoilées lors de l'event de la Comic Con qui se passera entre le 19 et le 22 juillet à San Diego. Et bien sûr, ils dévoileront aussi l'édition collector pour les grands fans, ceux qui veulent les petits accessoires avec. Donc ça coûtera sûrement 150-200 balles. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais par contre, je vais vous parler des éditions digitales maintenant. Alors, les éditions spéciales, il y en aura deux. Il y aura une édition digitale Deluxe et il y aura une autre édition digitale Deluxe Plus. Donc, quelle est la différence entre les deux? On n'en sait rien du tout, mais vous tracassez pas. À mon avis, le 19 ou 22 juillet, on sera au courant de toutes ces nouvelles éditions spéciales.
Alors, comme je vous l'ai parlé en multi, comme il n'y aura pas de DLC en multi, comme ce sera gratuit, il y aura un Season Pass uniquement en zombies. Et ils ont dit qu'il y aurait plusieurs modèles de Season Pass. Donc c'est là que je reviens sur l'édition Deluxe et l'édition Deluxe Plus. Donc je ne sais pas encore c'est quoi la différence, mais j'ai ma petite idée. Alors il faut savoir que les DLC zombies seront payants, bien sûr avec les Season Pass, mais je pense qu'il y aura deux maps par DLC. Pourquoi je pense ça? Parce que tout simplement dans le menu de zombies de Black Ops 4, il y aura deux menus spéciaux. Donc il y aura un menu pour une histoire et un autre menu pour une deuxième histoire. Pourquoi deux histoires? Ben tout simplement parce qu'il y aura l'histoire de Richthofen et ses autres compatriotes et la nouvelle histoire des nouveaux personnages de Black Ops 4 avec Shaun, Scarlett, etc. Donc on peut s'attendre à avoir des DLC contenant deux maps. Donc une pour l'histoire numéro 1 et une map pour l'histoire numéro 2. Donc c'est vraiment de la tuerie. Bien sûr, moi je prendrais tout simplement le Deluxe Plus pour avoir bien sûr le Season Pass complet pour avoir les deux histoires. Moi ce que je pense, c'est qu'il y aura un Season Pass pour une histoire et un autre Season Pass pour une autre histoire. Combien serait le prix? Je pense qu'il augmenterait peut-être le prix à 30€ par Season Pass. Mais ça ne se coûterait pas 50€ par Season Pass, ça deviendrait trop cher. Je pense que c'est pas dans leur avantage de mettre des prix exorbitants. Alors pour les fans de Black Ops 3, vous allez être contents. Parce que en fait, le retour des Gobblegum seront disponibles sur Black Ops 4. Ce ne sera pas des Gobblegum, mais ce sera une autre façon, mais qui ressemblera fortement au Gobblegum. Et pourquoi ils font ça? Bah, tout simplement pour pouvoir vendre un peu comme les Liquid Divinium. Donc c'était vraiment une ressource d'argent pour eux énorme. Et c'est pour ça qu'ils font le retour des Gobblegum. J'espère bien sûr qu'ils ne seront pas aussi cheatés que sur Black Ops 4. Ou alors bah, qu'ils attendront vraiment la fin pour mettre les Gobblegum les plus cheatés à la fin du jeu, donc dans 2 ans quoi. Alors pour les fans de Black Ops 2, donc moi aussi y compris, il y aura le retour des grades à la mode Black Ops 2, ce qui veut dire qu'il n'y aura sûrement pas de prestige, mais qu'il y aura un système de grades variable. Donc ça veut dire que si maintenant on ne joue pas pendant une semaine, nous n'aurons pas les yeux bleus. Par exemple, dans Black Ops 2, on avait des yeux bleus quand on jouait pendant plus d'une semaine, tous les jours je pense. Un minimum de 1 heure ou quoi. On n'a jamais vraiment su les critères pour avoir les couteaux, les pompes, les yeux bleus, mais on a supposé des hypothèses et je pense que l'activité était vraiment présente pour avoir les yeux bleus. C'était indispensable, ça c'est sûr, j'en suis sûr, je me rappelle comme si c'était hier. Et ben pour Black Ops 4, les potos, on aura ce système de grade. Et ça, franchement, c'est vraiment une des meilleures nouvelles parce que, franchement, des prestiges, moi, je m'en bats les steaks, les mecs. Moi, je veux vraiment un grade qui monte et qui descend en fonction de mon niveau du temps présent, les mecs. Et ça, j'ai vraiment pas de mots. C'est tout simplement incroyable qu'ils le fassent. Merci, Treyarch, putain. Alors, des informations pas mal intéressantes qu'il faut que je vous parle. Apparemment, on va pouvoir choisir son personnage en zombie quand on jouera en solo. Donc on va pouvoir choisir si on veut incarner Scarlett, Diego, Bruno ou Shaun. Mais ça uniquement en solo. Si vous êtes à plusieurs, donc si vous êtes à deux, vous aurez des personnages aléatoires. Donc vous pourrez tomber sur n'importe des 4 personnages. Alors il faut savoir aussi qu'il y aura une personnalisation des personnages de zombies. Donc on va pouvoir sûrement customiser son personnage, genre en lui changeant son chapeau, ses lunettes, ses gants, ses bottes, son pantalon, la couleur de ses armes, la couleur de son corps. Enfin voilà, on va pouvoir vraiment personnaliser le personnage. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Comme ça, ben, on aura tous un peu notre personnage propre à nous. Et ça, franchement, je trouve que c'est assez chouette. Alors, il faut savoir que s'il y a la personnalisation de personnages, eh ben, il y aura sûrement le retour des colis de largage qui nous donnera ben, tout simplement des accessoires supplémentaires quand on achètera ben, des largages. Donc, dans nos largages, on débloquera sûrement des bottes, des chapeaux, etc., des gants, des habits différents. Donc voilà, ce sera comme les largages de ravitaillement qu'il y a eu dans tous les Call of Duty. On va devoir payer pour avoir des largages de ravitaillement et débloquer des accessoires pour personnaliser notre personnage. Bien sûr, on pourra sûrement gagner des sortes de clés de cryptage pour pouvoir acheter des caisses de ravitaillement sans mettre de l'argent, un peu comme ils ont fait dans tous les Call of Duty, tout simplement.
Alors une chose très très importante aussi, c'est qu'il y aura des paramètres modifiables en zombie. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir modifier la santé des zombies, on va pouvoir choisir qu'est-ce qu'on veut comme arme dans la boîte, on va pouvoir choisir s'ils sont rapides, on va pouvoir choisir s'ils font mal ou pas très mal, ou si la difficulté sera facile, normale, difficile. Et ça, on aura 100 paramètres modifiables, minimum 100 paramètres modifiables. Et ça, c'est vraiment insane les mecs. Alors il faut savoir aussi qu'ils ont créé un mode réaliste en zombie. Jason Blundell a dit que c'était vraiment, vraiment très difficile ce mode réaliste. Mais c'est vraiment insane, on va pouvoir jouer comme des professionnels les potos. Si t'es pas un professionnel, si t'es pas un PGM, le mode réaliste ne sera pas pour toi. Il va falloir que tu restes en mode difficile, t'entraîner en mode difficile et puis aller en mode réaliste. Moi ce que je pense du mode réaliste, ça pourrait être tout simplement deux baffes, tu meurs. Ou alors même encore pire, une baffe, tu meurs. Mais ça, ce serait vraiment trop cheaté les potos. Alors il faut savoir aussi qu'il y aura un nouveau mode de jeu en zombie les potos. Ce mode de jeu donnera tout simplement l'opportunité à n'importe quel joueur de faire une partie uniquement pour tuer des zombies. Il n'y aura pas de secret, il n'y aura rien d'autre dans le mode de jeu que des zombies. Il faudra juste tuer des zombies à l'infini les potos. Donc ça sera peut-être pour les débutants pour qu'ils s'entraînent à mieux gérer les zombies. Et puis pour les experts pour faire un maximum d'XP, un maximum de manches sans se prendre la tête sur d'autres trucs. Voilà, je sais pas du tout comment va être le mode rush. Mais c'est possible que ce soit une carte à part ou c'est possible que ce soit sur n'importe quelle carte. Mais que toutes les portes soient ouvertes, qu'on aille blindé d'argent, qu'on puisse acheter toutes les armes qu'on veut, avoir accès sur les armes qu'on veut, s'entraîner avec n'importe quelle arme. Enfin voilà, je pense que ce sera vraiment un mode zombie rush pour rusher les zombies à 100%. Ils ont annoncé aussi que leur jeu serait ouvert. Donc par là, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent qu'ils vont pouvoir rajouter de nouveaux modes de jeu, comme un peu Fortnite le fait en ce moment. Il met des modes de jeu temporaires. Peut-être que Call of Duty fera pareil, il mettra des modes de jeu temporaires pour voir tout simplement le succès du mode de jeu, et peut-être qu'il le sera définitivement après avoir vu que le mode de jeu a eu beaucoup de succès. Ou alors ils les enlèveront, ils feront un mode de jeu temporaire, comme ça les gens seront obligés d'y jouer pendant que le laps de temps il sera disponible, et puis après ils l'enlèveront pour justement donner une petite exclusivité à ce mode. Ce qui pourrait très bien aider le jeu à être beaucoup plus actif et joué par la communauté. Alors je vous en ai parlé aussi en multi, et ben c'est pareil en zombie, normalement le mode studio sera disponible en mode zombie, comme sur Black Ops 3 les potos. Donc je pense qu'on va pouvoir un peu faire des putains de montages pour les amateurs de vidéos. Ben, vous allez pouvoir vous amuser en mode studio et je suppose qu'il sera bien sûr plus complet et plus simple d'utilisation, j'espère en tous les cas. Alors une chose très importante, je vous avais déjà parlé des bots, mais je vous avais dit que peut-être qu'il ferait le secret. Ou alors qu'il ferait le secret en fonction que la communauté découvre le secret. Donc si par exemple il y a un trophée qui dit faire le secret et que personne de la communauté n'a débloqué ce trophée, eh ben le boss ne pourrait pas vous aider à faire le secret. Donc voilà, moi je voyais un peu dans ce sens-là. Mais en réalité, Jason Blundell a dit que les bots ne feraient aucune étape des secrets. Pourquoi? Ben tout simplement parce que quand ils ont activé les bots pour faire les étapes du secret, eh ben ils ont remarqué que ben les bots faisaient toutes les étapes du secret. Donc en fait, nous, on n'a plus rien à faire. Donc, ils ont enlevé l'IA d'intelligence artificielle des bots et ils ne pourront pas vous aider pour le secret. Mais ils vous aideront pour tuer des zombies, peut-être même pour garder un zombie, ce que je l'espère, parce que sinon, si le bot s'y tue le dernier zombie, franchement, le bot, ce sera encore pire qu'un gros noob qui sait pas jouer aux zombies. Je suis désolé, quoi. Donc, voilà. Alors, autre chose à savoir, c'est qu'il n'y aura pas de sous-titres en zombie. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'en fait, s'ils mettent des sous-titres en zombie, les petits intelligents des PC vont tout simplement aller voir dans les codes sources du jeu et ils vont carrément tout spoiler parce qu'ils auront les dialogues de toutes les cinématiques, de toutes les radios, de tous les secrets. Et ça, ce n'est pas possible parce que Jason Blundell n'a pas envie que les secrets soient leakés avant que le secret ne soit sorti sur console, quoi. Je suis désolé. Et ils ont totalement raison. De toute façon, je suivrai l'histoire en vocal et c'est pareil, les mecs. Même si je dois me retaper 10 fois l'histoire parce que j'ai rien compris, eh ben, je me retaperai 10 fois la même histoire, mais au moins, il n'y aura pas de spoil, les mecs. Et ça, c'est insane. Alors, il faut savoir aussi qu'ils ont dit qu'il y aurait moins de codes à décoder.
Vous voyez dans la map 9, donc 9, eh ben, il y a sur le tablier du méchant plein de petits symboles et tout ça à déchiffrer. Sur Black Ops 3, sur le Shadow Man, il y avait plein de petits trucs à déchiffrer et tout ça. Eh ben, ce sera encore pareil parce que sur la map 9, ben, on voit que c'est encore le même délire. Mais apparemment, il y aura beaucoup moins de codes comme ça à décoder. Parce que ça, c'est, franchement, c'est hallucinant. Hein. Moi, je peux pas me mettre là-dedans. Hein. Il faut être bac plus 50 000 pour faire du décodage de codes comme ça. Quand ils mettent un code dans le jeu, laisse tomber. Hein. C'est impossible. En plus, sur Black Ops 3, tous les codes n'ont pas été décodés. Donc, c'est bien pour vous dire l'importance de la difficulté que ce code nous apporte, quoi. Alors, ils ont dit qu'il y aurait beaucoup plus de radio pour raconter l'histoire et pour qu'au moins on comprenne quelque chose, quoi. Parce que décoder leur code de ouf, voilà, quoi. C'est pas quelque chose qui m'ambiançait et c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Donc, merci Treyarch de rajouter des radios et d'enlever vos putains de codes à décoder. Parce que rien que sur la map 9, il y a des trucs d'alchimie, il y a des trucs de... Voilà! Et c'est bon, moi je viens jouer aux zombies, ok? Aux zombies, je viens tuer du zombie, je viens faire une petite histoire au KLM. J'ai pas envie de me retrouver dans des trucs scientifiques de l'année 1800. Non, c'est bon, tu sais quoi, c'est bon, hein, ok? On va laisser ça à Kenshin, les mecs, ok? Dédicace à toi, poto. Alors, je vais vous parler des trois trailers. Donc, le trailer de Nine, le trailer de Blood of the Dead et le trailer de Voyage of Despair. Il faut savoir que le trailer le plus liké et le plus regardé, c'est tout simplement Voyage of Despair, donc qui veut dire Voyage du Désespoir. Ce trailer a été le plus liké, donc je pense que c'est la map la plus attendue par la communauté, la map du Titanic tout simplement. Alors le deuxième trailer le plus liké, c'est tout simplement Blood of the Dead, le remake de Mob of the Dead, qui a, je pense, une histoire de 70 000 likes. Voyage of Despair, il a plus de 150 000 likes. Donc le trailer qui est en troisième position, c'est tout simplement la map 9 avec plus de 50 000 likes, qui est ben, voilà, le troisième, donc la moins attendue par la communauté. Alors maintenant, je vais vous parler tout simplement de Blood of the Dead, parce que j'ai pas fait d'analyse sur Blood of the Dead, parce que le trailer est tellement court qu'il n'y a rien à dire. À part que Blood of the Dead sera une plus grande map avec une toute nouvelle histoire que Mob of the Dead. Alors il faut savoir que la map de Mob of the Dead qui est sortie sur PlayStation 3 n'était pas complète. Tout simplement parce que la PlayStation 3 n'était pas assez efficace pour mettre une aussi grande map. Alors là on peut s'attendre que dans Blood of the Dead il y ait une plus grande map. On pourra sûrement avoir accès à toute la prison et peut-être d'autres lieux qu'ils auront rajouté sûrement en plus, quoi, tout simplement. Et il y aura aussi une toute nouvelle histoire. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il y a 4 nouveaux personnages qui seront dans Mob of the Dead. Parce que normalement c'est Lafouine et d'autres personnes. Et là qu'est-ce qu'il y a? Eh ben il y a Richthofen et ses potos. Donc ce sera une toute nouvelle histoire. Alors peut-être que l'histoire continuera, sera une continuité de l'histoire de Black Ops 4. Ou peut-être que ce sera une histoire parallèle à Mob of the Dead. Ou je ne sais pas encore, mais en tous les cas, Greg Houston a dit que Blood sera la meilleure de toutes les histoires. Alors qu'est-ce qu'il entend par là? Est-ce qu'il entend que Blood of the Dead aura une meilleure histoire que Mob of the Dead? Ou alors que l'histoire de Blood of the Dead sera la meilleure histoire comparée à tous les Black Ops qui sont sortis depuis le début? Ou alors ce sera une meilleure histoire que comparée aux nouvelles histoires qu'ils vont faire sur Black Ops 4 avec Scarlett, Bruno, Diego et Sean? Donc franchement, j'en sais rien du tout, mais je pense plutôt que ce sera une meilleure histoire comparée à Mob of the Dead, parce qu'ils vont quand même pas faire une meilleure histoire que la nouvelle histoire qu'ils sont en train de créer. Je vois pas trop le sens, quoi. Ce serait pas vraiment bien. Bon, après, pour les fans, ce serait vraiment bien, mais pour nous, les nouveaux joueurs, ben pour moi aussi, parce que moi, j'aime bien les nouvelles histoires, j'aime bien l'innovation, et ben ça me ferait chier que la meilleure histoire soit basée ben, sur l'histoire de Richthofen. Alors, il faut savoir aussi que s'il dit la meilleure histoire, je sais pas s'il parle de Blood ou s'il parle de la continuité des histoires de Richthofen qu'ils veulent peut-être faire. Donc comme je vous ai dit précédemment sur cette vidéo, donc une histoire avec Richthofen et une histoire avec les nouveaux personnages de Black Ops 4, donc Scarlett, Bruno, etc. Est-ce que Greg Houston ne dirait pas que la meilleure histoire serait celle de Richthofen parce que bah, tout simplement il y a beaucoup plus de fans
qui kifferont ben, justement le retour de Richtofen sur Black Ops 4, donc qui ferait vraiment une histoire de 4 DLC avec Richtofen en partant de Blood of the Dead, et il ferait une autre histoire moins meilleure, ce qui me décevrait un petit peu de leur part, mais avec les nouveaux personnages, donc il ferait 4 DLC avec les nouveaux personnages pour avoir une autre histoire, mais qui serait un petit peu moins bien que celle de Richtofen. Après, moi, je trouve que c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle ni une très bonne nouvelle. De toute façon, moi, je vois positif et je trouve que ça reste une bonne nouvelle parce que peut-être qu'on aura deux histoires, mais au moins, il y aura un intérêt pour les deux communautés, donc que ce soit pour les nouveaux joueurs ou pour les anciens joueurs. Parce que je sais que les anciens joueurs, ils kiffent l'histoire de Richtofen. Alors ça leur ferait extrêmement plaisir qu'ils fassent une continuité de l'histoire. Et pareil, ben, pour les nouveaux joueurs, moi j'aime bien l'innovation. Donc je suis content qu'ils fassent une nouvelle histoire. Franchement, dans ce Black Ops 4, ils ont réuni tous les espérances de tous les joueurs pour réunir un maximum de monde et contenter un maximum de monde. Et ça, franchement, c'est vraiment insane. Dernière petite info pour les fans de l'histoire de Black Ops 4 avec les personnages de Richtofen, c'est tout simplement quand vous regardez l'image de Blood of the Dead, en fait le petit flacon qu'on voit sur Richtofen, eh ben, il a l'air vide, mais en fait non, il n'est pas vide. On voit très bien qu'il y a une sorte de liquide dans le flacon et Jason Blunden a annoncé que c'était tout simplement un bug de texture parce que en réalité, il y a bien le sang dans les flacons. Donc voilà, c'était une petite information pour les fans de l'histoire de Black Ops qui tourne autour des personnages de Richtofen. Donc voilà les potos, je vous ai tout dit à propos des informations et des news que j'ai récoltées à gauche et à droite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager un maximum pour m'aider à évoluer sur YouTube. Et surtout, surtout les potos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos et ciao, peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, yummy, yummy.